Aujourd'hui à studjovetv.com, je suis avec Jonathan et Marie-Pierre. Et aujourd'hui, Marie-Pierre va faire la complice au téléphone. Donc elle va être notre fausse copine à nous deux. On va accoster des gens inconnus dans la rue. On va leur demander s'ils veulent appeler notre copine pour juste mentir et dire qu'on a développé une alibi. Puis elle, pendant ce temps-là, va les faire parler. Et il se peut qu'au même moment, la vraie copine de Jonathan crée tout un suspense. On regarde ça. Je suis chanceux d'être avec mes chums aujourd'hui pour travailler sur un champ. Je dis à ma blonde que je fais ça. Son problème, c'est qu'elle m'appelle depuis tantôt. C'est parti, tu peux pas passer pour un de mes chums 30 secondes. Juste dire qu'on t'a rien travaillé sur mon char puis que t'es avec moi, c'est mon chum Mike. On va prendre deux petits secondes. Ouais, non, je suis déjà rentré dans ce genre d'histoire. Si tu pouvais l'appeler pour lui dire que je vais être en retard, juste faire croire que t'es mon amie Isabelle. Ouais, ou juste dire que t'es ma cousine, tu sais. J'ai pas super gros le temps, j'ai un petit bébé à la maison. Ah, ça va prendre deux minutes, t'as juste à dire que t'es ma cousine, okay. Isabelle, puis juste dire qu'on va aller au cinéma, puis je vais être en retard. C'est correct? Oui, salut, Isabelle, la cousine. C'est ton chum. Ça va-tu bien? Oui, ça va bien, toi? Ben ouais, puis elle voit l'aéroport, là. Oui, là, on s'en allait au cinéma, là. Ils voulaient qu'on aille au cinéma. Ah, oh, OK. Ben, je sais qu'ils allaient te chercher, là, tantôt. Fait que vous allez aller au cinéma avant de venir? Ben, ça a l'air, là. Fait que, écoute, si c'est correct avec toi, puis après ça, j'imagine qu'ils vont nous amener après, là. Ben, je sais pas un peu, là, ils changent les plans, parce qu'ils étaient supposés de s'emmener direct avec toi. Ah, ben, écoute, viens, je vais te le passer. L'affaire, c'est que j'étais avec ma cousine, je suis dans un prank show, il y a une caméra cachée. Regarde. Ah, c'est une blague. Non, c'est une blague. Oh non. C'est une bonne blague. Je pensais jamais faire pogner à ça. Ouais, mais salut, c'est Mike, c'est Tim à Jonathan. On t'entend pas vraiment ça, vous avez déménagé. Ouais, parce que. Il y a des petits problèmes, là. Faut que je m'en aille aujourd'hui, là, vite fait. Là. Le souper vendredi avec ma blonde. Bon, ouais. Hein. Bon, ouais, y a pas de problème. Mais comment ça, vous ne nous avez pas compté ça, vous déménagez même à la dernière minute? Ben, on peut pas tout dire, les problèmes personnels, là, tu sais. On n'en dira pas plus non plus, là. Mais quand on se voit au souper, on en parlera plus, au pire. C'est dans quel coin? C'est pas mal dans le même coin, là. OK. C'est bon, je peux te laisser, parce que là, les gars, les boîtes s'empilent, là. Je peux te demander une petite question? Tu penses que tu pourrais m'aider? Je suis censé être avec ma blonde tantôt, mais j'ai comme d'autres choses depuis le début. Et j'ai dit que j'étais en travaux en ce moment avec une amie. Tu penses-tu si je l'appelle? Parce qu'elle me texte depuis tantôt. Penses-tu si je l'appelle, tu pourrais m'aider une petite seconde? Ben, honnêtement, je suis vraiment pressée. Ça va prendre deux petites secondes. Non, tu peux pas prendre tout. Désolé. C'est bon. Merci quand même. Salut, c'est Chichem Adjou. Ben, je m'appelle Mike. Ouais, c'est ça, ben, c'est ça, il m'a demandé de te dire, c'est ça, on est en travail, on est examen. Ça, je t'appelle pour ton. Mon examen en flou. En flou? Il y avait pas ça à son horaire. Ben, je sais, mais c'est pas pour l'examen. Ben, c'est lui, il m'aide pour mon examen. Ok, pour ton examen? Ouais, mon examen à moi aussi. Ok, mais pourquoi c'est toi qui m'appelles? Ben, il m'a demandé de t'appeler, là, je t'appelle juste pour t'appeler. OK, il est-tu des parents? Parce que t'as son téléphone? Ouais, il est à côté. OK, mais pourquoi c'est toi qui m'appelles? Hein? OK. Gars, je vais te le passer. Je vais te laisser, puis tu vas aller là. Hein? Ouais. T'as pas déjà de blonde? Yo, t'as blonde en chose. T'as blonde? Yo, je comprends rien. C'est quoi cette affaire? Yo, c'est vrai que ça gagne. Ça va être, c'est sur un coup, c'est sur un travail sur les jokes. C'est sur les jokes, genre. Je sais pas, c'est dur à expliquer, c'est sur des jokes. C'est un travail sur des caméras cachées, genre. Ouais, t'es les caméras cachées, genre. Ouais, comme toi, là, t'es en train de te faire prendre.
genre comme celle-là. Non, non, non. Comme celle-là. Là. C'est un travail où justement on pogne des gens à faire des gags. C'est ça le gag, man. Dans c'est le fond. Un bon c'est un bon jeu. Gag. J'ai dit à ma copine que j'allais rester plus longtemps à l'école. Je voulais juste savoir si tu pouvais l'appeler comme deux secondes et dire que genre t'es Mike, l'ami de Juan, on est en travaux, ça va durer longtemps. Ça te dérange-tu? Juste gars, ça compose. Ça. Juste dire que t'es Mike, l'ami de Juan. Oui, bonjour, je suis Mike, l'ami de Juan. Ah, il m'a passé pour que je dis qu'il est occupé à l'école. Il est à l'école? Ouais, il est à l'école. Tu as prêté son téléphone pour que tu le dises, ça? Ouais. Tout toi là. Mais il est parti à la toilette là. Je peux pas te répondre. Parce que là, ça fait 30 minutes que je l'attends. Il m'a dit juste ça. Ouais, ouais, il m'a dit juste ça. Je t'ai pas dit par exemple que c'était un gag, que c'était une caméra cachée. Oh. C'est juste parce que dans le fond, je lui disais à ma copine que j'allais être à l'école pour faire un travail d'équipe. Puis, ben, c'est pas vrai. Mais je veux juste que tu l'appelles, dire que t'es dans mon équipe. Tu t'appelles Clara, t'es dans mon équipe. Puis, tu sais, juste comme oh, ça va durer plus longtemps que prévu. Ça sonne, là. Non, non, non. Tu veux pas l'appeler juste pour. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Oh, mais c'est pas grave, ça, je veux dire. Non, non. Hein? Non. Non, je veux pas. Non, c'est sûr, ça sonne, là. Hein, tu veux pas? Non. Okay. Mais si je te dis d'autres choses, par exemple, si je te dis que c'était un gag, que oh, dans le fond, je suis en train God. De filmer un prank, puis que ma fausse copine était juste là en train d'attendre ton téléphone, mais c'est un prank. Non, mais t'as bien correct. Fait, t'as pas menti. C'est pas correct, c'est pas correct non, hein? C'est pas ça te dérange pas qu'on utilise ça pour faire rire les gens? Merci beaucoup. Ça s'appelle StunJokeTV.com, ça va passer dans deux semaines. Okay, StunJokeTV.com, tu peux voir ça sur Facebook, YouTube, StunJokeTV.com.